comment trouver la meilleure idée marketing, copywriting, pour faire décoller votre activité immédiatement. Bonjour, ici Mathieu Deloison, le spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors, on va pas se mentir, vous avez essayé beaucoup de choses, probablement acheté plusieurs formations, des formations peut-être à 1000, 2000, 3000, 500, 100 euros, peut-être 5 ou 10 000 euros, et bah, ça n'a pas fonctionné. Vous n'avez pas encore obtenu les résultats que vous désirez et que vous méritez et vous commencez à douter du fait de pouvoir gagner confortablement votre vie sur Internet parce que ça a l'air de fonctionner pour les autres, mais pour vous, rien à faire. Il n'y a aucune idée qui colle, ça ne marche pas. Et pourtant, vous avez remarqué que certains entrepreneurs sur le marché, peut-être des consultants, certains coachs ou certains formateurs, même certains thérapeutes, ils ont l'air de sortir de nulle part et d'avoir une idée qui attire une foule entière, une foule affamée de clients qui ne veulent que, c'est-à-dire en à peine un an, ils arrivent à rassembler une communauté de plusieurs milliers de personnes et vous, vous êtes un peu déçu et vous vous dites, mais où ils trouvent ces idées? Comment obtenir les mêmes? Eh bien, en fait, tout est affaire de stratégie. Parce que, comme le marketing, comme le copywriting, trouver des nouvelles idées, surtout en copywriting, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire, une idée peut défaire ou construire votre fortune, la réussite de votre activité dans votre domaine, que vous soyez formateur, expert dans un domaine, coach, consultant ou thérapeute. Vous êtes juste à une seule idée. Il faut trouver une idée qui colle avec votre marché, avec vos autres audiences, avec votre communauté, vos prospects. Et dès que vous avez cette idée qui colle, vous pouvez rassembler une communauté et leur proposer facilement vos produits et vos services. Alors, pour trouver des idées, par exemple, il y a le livre de psychocybernétique du docteur Maxwell Maltz qui a décrit tout un processus. Et le premier de ces processus, c'est de se relaxer. Relaxez-vous chaque jour. Le stress permanent, intense, n'est pas bon. Le stress de la vie moderne est très très mauvais pour la créativité. Parce que les idées viennent de votre capacité créative, de votre créativité personnelle. Plus vous ferez preuve de créativité, plus vous aurez d'idées, vous pourrez tester plus d'idées et forcément au bout d'un moment, vous trouverez cette idée qui colle pour faire décoller votre activité. Alors, commencez par vous relaxer, vous détendre chaque jour. Donc, ça peut passer par de la méditation, des exercices d'assouplissement comme le yoga ou tout simplement aller prendre un bain froid. Un bain froid, ça aide à se détendre. Donc, nager dans l'eau froide ou aller au spa, il y a des bains froids. Ici, à Tallinn, en Estonie, il y a des bains froids qui sont à 4 voire 7 degrés selon qu'on soit l'été, l'hiver. Et je peux vous garantir que vous vous détendez là-dedans. Et ça permet de se déstresser, de se relaxer. Et quand vous ressortez, vous êtes une personne neuve avec des idées neuves, des idées qui collent. Parce que forcément, si vous copiez l'idée du voisin, eh bien, fonctionnera moins bien et les prospects, le marché va bien remarquer que c'est une idée prise chez le voisin et les prospects ne vont pas du tout apprécier. Donc, si vous n'avez pas lu le livre Psychocybernétique, je vous invite à une webconférence. Donc, dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers la fiche résumée où vous découvrirez donc la relaxation, les bains froids, enfin plusieurs solutions, des musiques de méditation à écouter pour vous relaxer, vous détendre, évacuer tout ce stress qui s'accumule jour après jour. Et vous serez également invité à une webconférence que j'anime parce que avec ma maison d'édition, notre équipe, nous avons acheté avec les éditions instantanées les droits exclusifs de rediffusion, de diffusion sur le marché francophone du livre psychocybernétique du docteur Maxwell Maltz. Et la webconférence que j'organise, ce sera l'occasion pour moi de vous révéler la stratégie du docteur Maxwell Maltz pour faire preuve de plus de créativité et avoir ces idées qui collent pour votre activité, pour votre business. Que vous soyez coach, consultant, thérapeute ou formateur, la faire décoller et avoir tous les clients que vous désirez et que vous méritez. Donc, cliquez sur le lien pour recevoir la fiche résumée. Vous allez recevoir plusieurs techniques pour vous relaxer, vous détendre, avoir plus de créativité et surtout, il y aura votre invitation à la webconférence
psycho-cybernétique, activez votre mécanisme automatique du succès du Dr Maxwell Maltz, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de tous les êtres humains. Il y a un mécanisme automatique qui peut, par défaut, il est dirigé vers l'échec. Donc, la plupart des gens, ça explique pourquoi 98% des personnes échouent dans leur projet et seulement 2% savent activer leur mécanisme automatique en direction du succès. Ce qui explique pourquoi, du jour au lendemain, vous pouvez voir un coach, un thérapeute en moins d'un an qui émerge, qui prend la tête du marché et qui rafle tout le gâteau, qui rafle la mise avec tous les clients. C'est parce qu'il a activé son mécanisme automatique du succès. Et dans la webconférence à laquelle je vous invite, eh bien, vous allez exactement faire la même chose, découvrir les 3 étapes pour activer votre mécanisme automatique du succès, faire preuve de créativité et faire décoller votre activité comme vous le désirez. Donc, dites-moi que vous allez mettre en pratique cette vidéo, c'est-à-dire commencer à vous relaxer chaque jour. Si vous n'avez pas envie de méditer, c'est pas grave, mais le fait de vous asseoir dehors au soleil, rien que 20 à 30 minutes par jour et de fermer les yeux et de juste de vous concentrer sur vos sensations comme ceci, et vous le faites dehors, au soleil, au calme, dans une forêt, à la campagne, au bord de la plage ou dans un parc municipal pour vous détendre. C'est facile à faire et ça donne des résultats extraordinaires sur la créativité. Moi, je vous retrouve pendant la webconférence qui a lieu d'ici quelques jours pour activer votre mécanisme automatique du succès. Et je vous dis à très très bientôt pendant cette webconférence. Salut !